Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a envoyé un message à tous les préfets. Objectif, insister sur la fameuse règle des 6 à l'extérieur. Margot Bourdin. Oui, la règle est la même pour tous, sur tout le territoire. Vous ne pouvez pas vous rassembler à plus de 6 personnes dehors, que ce soit dans la rue ou dans les parcs. Dans les 16 départements confinés, le ministre de l'Intérieur demande aux forces de l'ordre une tolérance zéro. Les abus doivent être sanctionnés d'une amende de 135 euros. Mais pour Thierry Clerc, secrétaire général adjoint UNSA Police, encore faut-il pouvoir effectuer ces contrôles. On ne peut pas mettre un policier à chaque coin de rue, sur chaque place, pour verbaliser, pour contrôler ou pas le port du masque ou le regroupement ou non. C'est quand même la responsabilité de chaque personne, de s'impliquer dans la gestion de cette crise sanitaire aussi. Il faut faire la part des choses et nos collègues doivent faire preuve et font preuve de discernement entre les gros rassemblements. On l'a vu à Marseille notamment, plus de 6 000 personnes, et puis les gens qui sont regroupés de facto parce qu'ils sont devant un commerce, parce qu'ils sont sur une file d'attente. C'est de la gestion de l'humain, c'est de la gestion du quotidien qui, de fait, est prise en compte par nos collègues. En revanche, cette règle ne s'applique pas aux manifestations déclarées, aux funérailles ou aux sports en extérieur, sauf si l'activité est encadrée.